Novak Djokovic bat une nouvelle fois tous les records. Ce dimanche 10 septembre, le Serbe a arraché la victoire à Daniil Medvedev sur le court australien. Pour célébrer cet accomplissement, le 24e de sa carrière, le tennisman peut compter sur son équipe, mais aussi et surtout sur son épouse, qui accompagne le sportif pour la majorité de ses matchs. Elle s'appelle Jelena Ristić et partage la vie du tennisman depuis 2005. Leur rencontre a eu lieu sur les bancs du lycée à Belgrade. Novak Djokovic débute ensuite une carrière de tennisman professionnel et enchaîne les tournages aux quatre coins du monde. De son côté, sa petite amie poursuit ses études en Italie. Malgré la distance, le couple tient un bon. Après quelques années, Jelena Ristić quitte l'Italie et décide de consacrer plus de temps à la carrière de son homme. Elle le suit dans ses déplacements et deviendra par la suite directrice de la fondation Novak Djokovic. Créée en 2007, elle fait la promotion de l'éducation en Serbie et aide les enfants défavorisés. 11 ans après leur rencontre, les deux tourtereaux décident de se dire oui. Le mariage civil a lieu en juillet 2014, au Monténégro. La même année, Novak Djokovic annonce que sa femme est enceinte. Le 20 octobre, Jelena Ristić accouche d'un petit garçon prénommé Stéphane. 3 ans plus tard, la famille s'agrandit à nouveau, avec l'arrivée de Tara, née le 2 septembre 2017. Supérieure à les supportrices et femmes de tennismen. Jelena, une femme indépendante. Pour Jelena, pas question de n'être reconnue qu'en tant que femme d'eux. En plus de ce statut quelque peu réducteur, elle a dû faire face aux rumeurs d'infidélité et de séparation. Mais la jeune femme s'est accrochée. En plus de son poste de directrice à la fondation Novak Djokovic, Jelena Ristić a lancé son propre magazine, Original Magazine, en 2015. Sur Instagram, où elle est suivie par 443 000 personnes, elle utilise sa notoriété pour parler politique ou mode, puisque l'épouse de tennisman est une véritable fashionista. À l'occasion de son mariage, elle avait fait appel à la designer Sarah Burton, qui a également signé la robe de Kate Middleton pour son union avec le prince William en 2011. Et si elle semble elle aussi très occupée, nul doute que la femme de Novak Djokovic continuera à soutenir son homme depuis les tribunes du Grand Chelem et le verra, peut-être, décrocher une 25e victoire, dépassant ainsi le record absolu de Margaret Court. Crédit photo, best image.